Et les mecs, vous vous sentez plutôt garçon ou fille? Un garçon. Un garçon, pourquoi? Parce que j'ai une voix de garçon et parce que je suis un garçon, alors je suis un garçon, j'aimerais être un garçon, moi. Plutôt une fille. Tu te sens plutôt une fille? Oui. Pour nous, ici, dans le foyer de Sohan, c'est Sohan depuis des mois, avec il depuis des mois. Donc, pour moi, c'est très difficile maintenant de retourner en arrière. Et si j'entends des pronoms féminins ou son ancien prénom, ça me fait aussi réagir. Qui a déjà fait son coming out à ses parents? Le bas, genre, je m'en fiche, les gens ils ont qu'à me regarder mal et tout, s'ils voient que c'est plat ou pas. Mais c'est juste le haut en fait qui me dérange. C'est un peu comme une prison, puis t'as envie de l'arracher. Donc, Nous on risque de faire faux, hein. On parlait même, de temps en temps on entend un elle qui arrive dans la discussion comme ça. J'entends, faut être juste conscient que pour ceux qui t'ont déjà connu, ben, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui on parle de LGBTI. Il existe plus de lettres. Il n'y a pas vraiment la quantité de lettres suffisante dans l'alphabet pour cadrer toute la différence de l'humanité.